contribution de la CEA est fixée à 31 972 490 euros. Hier, les élus de la collectivité européenne étaient réunis à Colmar pour voter le premier budget de l'institution. Avec un montant de plus de 2 milliards d'euros pour l'exercice 2021, la CEA s'inscrit ainsi parmi les 6 premières collectivités départementales en termes de budget. Des dépenses consacrées à de nombreux domaines de la vie quotidienne des Alsaciens, comme l'action sociale et sanitaire, la gestion des routes, les collèges, le soutien aux communes ou encore l'attractivité touristique. Alors que la crise sanitaire entraîne le pays dans une crise économique et sociale, la nouvelle collectivité alsacienne souhaite représenter une force supplémentaire pour soutenir les plus fragiles et permettre à la vie économique de retrouver son équilibre. Nous avons un budget de plus de 2 milliards d'euros, 1 milliard pour tout ce qui est solidarité et santé et 308 millions d'euros d'investissement, c'est-à-dire plus 27% par rapport à ce que l'on faisait avant, Haut-Rhin plus Bas-Rhin, et surtout plus 66 millions d'euros. Donc évidemment, il y a l'engagement que nous avions pris, mais aussi tout l'intérêt de pouvoir aujourd'hui financer, d'aider et d'accompagner par rapport à la sortie de crise, au rebond que nous voulons développer. Et je pense qu'il fallait aujourd'hui que la collectivité européenne d'Alsace puisse investir massivement. Parmi ces investissements, la rénovation des collèges, les EHPAD, différents projets routiers ou encore la transition énergétique. De quoi améliorer le service rendu aux Alsaciens. Mais pour le président de la collectivité, il s'agit aussi de soutenir l'activité économique. Ça, c'est à la fois la façon de mieux accompagner nos concitoyens dans leur vie quotidienne, les mobilités, l'éducation, donc c'est très important. C'est aussi donner, bien évidemment, des perspectives de marché pour les entreprises du territoire. Donc c'est aussi important pour l'emploi du territoire. Au cœur des compétences de la collectivité européenne, les solidarités. Dans un contexte économique et social rendu difficile par la pandémie, l'institution se retrouve en première ligne. Pour son président, une attention toute particulière doit être apportée à la jeunesse. Aucun jeune ne doit être au bord du chemin. Il faut un filet de sécurité pour cette jeunesse, c'est-à-dire que les besoins vitaux, se nourrir, se loger, se vêtir, se chauffer, se former, tout ça, se cultiver, pour nous c'est fondamental. Donc sur tous ces champs-là, on va être amené à agir, soit de manière structurelle forte, soit sous forme conjoncturelle, c'est-à-dire que on a le fonds de solidarité logement quand il y a parfois des difficultés pour des jeunes face à des situations. On a le pass accompagnement pour accompagner les jeunes. Il y a plus de 300 jeunes qui en bénéficient. À travers notre fonds de relance, on a permis à 1000 jeunes d'intégrer nos entreprises sous forme d'apprentissage. Donc on fait un peu feu de tout bois pour accompagner notre jeunesse. On veut lui donner une dignité, des perspectives d'avenir. Avec un budget global en hausse de 140 millions d'euros par rapport aux deux budgets 2020 des anciens conseils départementaux, la CEA dispose de marges financières lui permettant d'augmenter sa capacité d'investissement. La collectivité européenne récupère ainsi les bénéfices de 5 années de gestion des finances du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les deux départements, on a géré avec beaucoup d'attention et de sobriété l'argent public, puisqu'on a même réussi à baisser ces 5 dernières années de 400 millions la dette. C'est quand même un exploit dans un contexte où on a perdu 1,5 milliard de recettes de l'État. On a démontré ainsi qu'on pouvait à la fois être respectueux du denier et du contribuable, mais en même temps continuer à investir sur le territoire. Nous, notre enjeu, c'est de mettre les moyens là où ça améliore une dynamique dans l'action du territoire, mettre des moyens pour améliorer le service public à nos concitoyens, aux attentes de nos concitoyens, là c'est bien. Par contre, on est très attentif à réduire les dépenses administratives, techniques, celles qui n'apportent pas de valeur ajoutée à la vie des gens. La collectivité souhaite poursuivre ses efforts budgétaires. Diminution des dépenses de structure, maîtrise des dépenses de personnel, recours maîtrisé à l'emprunt et surtout maximiser l'impact de chaque euro investi dans le territoire. Les principaux axes d'une bonne gestion à l'alsacienne, selon les élus. Nous avons eu double A3 en notation de Moody's, ça veut dire ce que ça veut dire. Et en même temps, l'exemplarité, ça se traduit par des chiffres et des vrais chiffres. Aujourd'hui, nous avons fusionné, nous avons des compétences nouvelles et malgré cela, tout de suite, nous faisons une économie de plus de 1 million d'euros. Une économie de structure, c'est-à-dire sur la communication, sur les assurances, sur la flotte automobile. Voilà, une vraie économie de structure. Et l'idée demain, c'est d'avoir une politique de
de convergence, de voir ce qu'il y a le mieux pour les Alsaciens, ça c'est notre priorité, et évidemment à un coût meilleur. Les orientations budgétaires présentées il y a deux semaines proposaient une vision jusqu'en 2023, soit au-delà de l'élection prévue en juin. Pour l'exécutif de la CEA, la situation économique et sociale ne permettait pas d'attendre que la majorité sortie des urnes s'installe. Un budget de transition était inenvisageable. On ne peut pas se permettre de faire un budget de transition. On est dans une telle situation aujourd'hui que le budget, eh bien, il est là pour 2021. Les orientations budgétaires que nous avons présentées il y a quelques semaines, c'est une vision 2021-2023. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, il faut prendre des décisions, prendre ses responsabilités. Les Alsaciens jugeront. Mais vous savez, d'abord, on agit en responsabilité. On ne fait pas de la politique politicienne. On ne fait pas des choix politiques par rapport à des choix de vote. Parce que sinon, ce ne serait pas notre place. Le budget 2021 a été adopté à l'issue d'une longue séance. Les élus du groupe socialiste se sont quant à eux abstenus, déplorant la frilosité de certains choix budgétaires, notamment en matière d'aide à la jeunesse. Un mois et demi après sa création, la CEA dispose maintenant du premier budget de son histoire.